Ben moi, ce que j'ai, je peux te raconter une histoire d'OVNI, comme ça on continue là-dessus. J'ai un ami, c'est donc Veloz Kraken. Il n'est pas présent parce qu'il est au Canada et tout, c'est dur de le choper à Oui, l'heure. tu m'avais expliqué. Voilà, donc ben lui, ce qu'il a, c'est que je vais raconter son histoire. Il est parti avec ses amis, ils étaient 5, ils ont pris une voiture de location. Ils sont partis là-bas au Canada dans la forêt pour passer un week-end tranquille. Ils ont vu le loueur de voiture, tranquille, le mec leur a dit rien, rien de spécial. Ils vont dans une certaine région, le loueur est au courant d'où ils vont. Parce qu'il voilà, il va pas laisser la voiture à n'importe qui. Ils leur disent, bah, on va dans telle région, on passe notre petit week-end et on vous rend la bagnole. Et ensuite, bah, sur la route, pendant leur week-end, ils ont vu un gros vaisseau dans le ciel. Il faisait nuit. Un gros cigare avec plein d'hublots et plein de lumière. Le mec avait vraiment l'impression de se retrouver dans un film de science-fiction, quoi. Tous ses amis étaient en train de voir la même chose que lui. Ils étaient là à se dire, bah, écoute, c'est... On n'est pas en train de rêver, on est en train de voir tout ça ensemble, quoi. Et ils ont vu le vaisseau comme ça voler dans la forêt. Et le truc après, il a volé comme ça, il est reparti à toute vitesse. Donc voilà pour l'OVNI. Et après, ils en ont un qui a été complètement traumatisé. Il a eu super peur. Il est sorti de la bagnole, il est couru, il allait se cacher dans le coffre. Et il est resté enfermé dans le coffre. Et tout le trajet, le mec était terrorisé. Et voilà, terrorisé par ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait pu entendre. On ne sait pas ce qu'il a vécu personnellement. Et le mec est resté enfermé dans le coffre de la bagnole. Ils voulaient pas en sortir. Du coup, ils ont fait le chemin du retour en parlant de OVNI et tout. Ils étaient quand même dingues. Le pire, c'est que sur le trajet, à la base, avant que ça se produise, ses amis, justement, ils parlaient d'OVNI, ils parlaient de ça et tout. Et Lost Kraken, il disait, mais oui et tout, je vous dis, ça existe, machin, j'ai déjà vu des trucs. Et ses amis ne le croyaient pas. Et ben, justement. Ça s'est manifesté juste après. Comme si les ovnis s'étaient vraiment montrés spécialement pour prouver à ses amis que ça existe. Parce que souvent, c'est comme les planchettes Ouija, histoire de fantômes. Quand on parle d'ovnis, quand on dit que ça n'existe pas, ou qu'on est en pleine nuit à regarder les étoiles, et justement, ça se manifeste parce que on en vient à ce sujet. Donc comme ses amis étaient venus au sujet ovni et avaient dit que ça n'existait pas, ça s'est manifesté. Et ils sont arrivés et tout, ils sont garés pour rendre à la voiture. Le mec est sorti du coffre, il était encore terrorisé, il était encore traumatisé, hein. Et ben ils ont rendu la voiture de location et Lost Kraken a dit qu'ils avaient vu un ovni, qu'ils n'en revenaient pas dans cette forêt, dans cette destination. Et le mec il a dit, bah, c'est pas la première fois, j'ai déjà loué la voiture et il y a déjà des personnes qui sont allées dans la même forêt campée comme vous. Et eux aussi ont vu le même ovni. C'est déjà arrivé votre histoire, quoi. C'est pas la première fois. Donc le mec était pas étonné, le loueur de voiture, que ça soit produit, quoi. Donc voilà pour son histoire d'ovni. J'aurais vraiment bien aimé voir un truc pareil, quoi. Voilà. Donc bah sinon, Zargar, tu es le seul qui a pas raconté son histoire. On t'attend. Non, moi je vais Au rester calme. là parce que j'en ai une dernière à dire. T'as encore une petite? C'est quoi? Sur quel truc? Sur un thème paranormal, mais je vais rester ici le temps. Comme ça on va rester à trois et Zargar va raconter. Ouais, Allez, voilà. voici la mienne. Ah non, d'abord Ah Genki. oui, il y a encore Ouais, qui? Dites-moi, qui c'est qui a encore une histoire? Ah oui, il y a la deuxième, il y a la scanner, t'as encore ton histoire là. oui. Bah vas-y en fait, parce que Zargar, toi tu veux patienter pour la fin. Ok, LM. Voilà. Ben, scanner, tu viens Oui. et t'enchaînes direct après Krauser. Voilà. Ok. Reste sur le fauteuil. Attends, du coup, c'est qui commence, moi ou Krauser? Ben, scanner, tu vas raconter ton truc. Et puis comme ça, Krauser, il Bien, finira écho. son dernier truc. Alors, scanner, je t'écoute. Oui, donc c'était il y a à peu près un peu plus de 3 ans. Mes
mes parents, mon frère et moi, on s'est installé dans une maison à la campagne. Machin, on s'est installé et tout. Au début, il se passait rien, quoi. Voilà. Et puis ça a commencé et tout. Il y a eu des trucs bizarres qui se faisaient, mais on n'aurait jamais pas. Enfin, on n'a pas pensé que c'était un truc paranormal ou un truc comme ça. Et un jour, c'était quand on venait d'emménager. J'étais dans mon salon, au rez-de-chaussée, sur mon téléphone, et j'entends un bruit en fait. J'ai dit à Protoc avant comment c'était. Oui, t'as entendu un bruit, en fait, je vais essayer de vous refaire le bruit du style comme ça. Voilà, un bruit d'un Voilà. meuble qu'on tire, quoi, un meuble Ouais, qui glisse sur le sol. qu'on tire, quoi. Et puis, genre, après, je me dis c'est quoi ça et tout. Je monte tranquillement. Et puis là, je vois le meuble qui a bougé. La Et puis commode? là, je commence. Ouais, c'était une petite commode. Genre, elle avait bougé quand même de quelques centimètres. On le voyait, c'était pas tout droit Ouais, devant. normalement, Et oui, puis là, j'ai c'est. commencé à paniquer. Je réfléchissais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais et tout. Je sors de la maison ou un truc comme ça. Ouais. J'ai appelé ma mère. Elle voulait pas me croire, ni rien. Elle disait, c'est toi qui t'imagines des trucs et tout. Ouais, t'as bien entendu le Et voilà. bruit, la commode a bien bougé. Même si t'as pas vu la commode bouger, elle était décalée, ouais. Ouais, j'étais tout seul chez moi, j'étais toute seule. Et t'avais pas d'explication de chat ou de chien, voilà. Non, non, j'avais aucun animal à Ok. cette année-là. Et du coup, après, il s'est passé plusieurs trucs, machin. Et après, ma grand-mère, elle a été voir une voyante, Ouais. pas loin de chez moi. Et elle lui a juste dit le. Ah non, je vais d'abord dire un autre truc. Là, il y avait une femme qui était morte dans cette maison, qui s'appelait Justement, ouais. Marguerite. Et apparemment, de ce qu'on sait, elle était quand même sympa avec tout le monde, tu vois. Genre pendant la guerre, elle allait dans la forêt pour aider les femmes à accoucher. C'était une gentille femme, quoi. Elle aidait tout le monde. Et genre après, elle a été voir cette dame, ma grand-mère. Et elle avait aucun renseignement sur nous, si aucun de mes parents, sur moi, sur ni moi ni mon frère. Et là, elle a juste dit le nom de la meuf, enfin, de la vieille dame. Et puis elle a Marguerite? commencé. Marguerite? Elle était pas au courant, elle a sorti le nom de Marguerite, la Non, fameuse dame qui est. elle lui a juste dit Marguerite. Ma Ouais. grand-mère lui a dit, elle s'appelle Marguerite. Voilà. Et elle avait aucun renseignement sur ma famille. Et elle a commencé à parler de moi, de mon frère, mais pas de mes parents. Et elle a dit qu'elle squattait en fait dans ma chambre en fait. Ah ouais, il y avait un esprit, la Marguerite, le fantôme de la Marguerite était dans ta chambre. Elle a ressenti ça. Apparemment, elle squattait dans. Mais non, elle a carrément appelé. Ma grand-mère m'a expliqué. Elle a fait ouais, elle a dit Marguerite, est-ce que c'est toi et tout. Et Ouais. puis elle a parlé apparemment avec elle. Et elle voulait pas qu'on vienne dans sa maison pour tout rénover et tout. Elle voulait pas qu'on vienne dans sa maison et tout. Ah Et oui, apparemment, elle squattait dans ma chambre. Et puis elle a commencé à sortir le nom de moi, de mon frère. Elle a parlé de moi et tout. Ouais. Et elle l'a fait partir. Ouais, le médium a fait partir l'esprit, quoi. Elle a essayé de la faire partir. Pour l'instant, ça marche. Mais il s'est passé un truc. Il y a quoi? Allez, 2 semaines. Il y a une. Mon frère est parti 2 semaines en vacances avec ma tante. Et quand il est revenu, il a commencé à parler à ma mère. Il voulait pas que je sache ce que c'était, de quoi il parlait. Et puis après, il m'a quand même dit. Et il a dit que il m'a fait ouais moi tu sais que je ressens des trucs je Ton ressens frère des trucs ressent et des tout. trucs. Ouais. Et puis il commence à me dire quand t'as une présence physique, une présence pas dire Mauvaise, maléfique mais ouais. méchante, Ouais, ouais, voilà. mauvaise. Et puis genre quand t'es pas bien. Et genre après il y a une coupure d'électricité parce qu'il y a une cigogne qui est passée dans un fil électrique et du coup déjà, moi j'étais un peu flippée parce qu'il m'a dit ça. Et on est resté toute la soirée ensemble. On entendait des bruits. On était dans sa chambre. On entendait des bruits dans le couloir. Ah ouais. Après, on ouvrait. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas mes chats dedans, Ouais, rien. il y avait des bruits vraiment pour vous faire flipper alors qu'il n'y a personne. Et en plus, lui, il ressentait quelque chose, il ressentait un mauvais esprit, quoi.
Ouais, c'est comme. Genre, il dit ça comme ça, il avait les larmes aux yeux, il sentait Ouais, pas. il était vraiment quelque chose, quoi. Ouais, c'est ressentir une présence. Ok. Et après, là-dessus, dis-moi pour finir ton Bah, histoire. après, ils ont réparé le courant, et puis après, pour l'instant, il s'est plus rien passé de trop énorme, quoi, à part des fois des bruits, il y en a dans toutes les maisons, mais voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que bon, soit il y a vraiment une histoire d'une vieille dame. Fantôme, soit c'est un démon, on sait Ah pas, hein, oui, c'est un démon la vieille homme dame aussi, elle a dit. qui prend l'apparence qu'il veut d'une vieille, d'une petite fille, d'un ancien Ouais, mais soldat, d'un elle m'a dit grand-père. là, elle a dit à ma grand-mère, la médium, Ouais. que les esprits, ils pouvaient être. Ça pouvait être des bonnes personnes quand ils étaient en vie, mais Ouais. quand ils sont décédés, en fait, ils ressentent plus aucun sentiment et tout. Ils peuvent être méchants, genre, Elle pouvait faire elle du était mal méchante, quoi, ou avec nous. Elle voulait nous faire partir de faire chez elle. peur, ouais, parce qu'elle sent que c'est sa maison à la base et tout, ouais. Ouais. Mais Ouais, dans et tous les après, quand cas, ma grand-mère, elle a. Oui. c'est quand même, c'est vraiment étrange, hein. C'est dingue ces histoires quand même, que ça existe, des trucs pareils. Soit c'est un phénomène réel, le fantôme, qu'on peut pas expliquer, soit c'est autre chose qui est derrière tout ça, tu vois. Ouais. Comme pour les extraterrestres, soit l'extraterrestre existe vraiment, soit c'est encore un autre phénomène qui est derrière tout ça, qui veut nous faire croire que ça existe, ou nous montrer que ça Ouais. existe. On sait pas. Et C'est. genre, juste après que ma grand-mère ait été voir cette dame, ma mère on a parlé un peu de ça entre nous, et elle a dit, machin, je suis désolée de pas t'avoir cru pour le meuble et tout, et puis Ouais, maintenant elle se dit s'il si, y a si, ça. elle me croit maintenant. Ouais, voilà, je vois le truc. Bon, bah voilà, bah écoute, merci pour Pas de l'histoire. soucis. On en profite pour enchaîner avec parce qu'on a beaucoup d'histoires, hein, voilà, pour cet épisode 8. Crowther, tu as encore un truc, hein. T'en as vécu des Ouais, choses, toi. voilà. Donc, oui, donc là, c'est encore un soir. Donc, je dormais. Pendant la nuit, je me lève pour aller aux toilettes. Bah attends, mets-toi sur le Je... fauteuil à côté de moi. Ouais. Ah oui, Voilà. ça, est-ce que ça vous dérange que je dise vite fait un truc? Vas-y, bah Ça fini, dure deux ouais. minutes. Fini, ouais. Viens. C'était il n'y a pas très longtemps non plus, c'était il y a peut-être un mois. Attends, je te fais de la place. J'étais dans ma cave, dans mon garage, quoi. Et j'étais avec ma mère sur le canapé de mon salon, j'avais faim, du coup je suis allée chercher quelque chose à manger à la cave. Et quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, bah, c'était pas en fait c'était un rêve. Je dis que c'est un rêve ou pas? Non, t'as rêvé il y a pas longtemps? Ouais, il n'y a pas longtemps, c'était il y a peut-être un mois, j'ai rêvé que j'allais dans mon garage Ouais. et que je prenais un truc à manger et que j'arrivais plus à ouvrir la porte. En fait, je forçais de toutes mes forces, j'appelais à l'aide et tout. Et j'ai un... Non, c'était encore après. J'ai essayé d'ouvrir la porte, tout fort, tu vois, et je paniquais pas encore. Et j'ai entendu une voix d'homme super grave dire « Caroline, c'est toi ?» Et là, j'ai commencé à paniquer, j'ai ouvert la porte, j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai carrément essayé de défoncer la porte. À un moment, j'ai Ouais. tiré super fort, elle s'est ouverte. Je suis montée mes escaliers, trois marches par trois marches, je suis allée Ouais. vers ma mère et quand j'ai essayé de la réveiller, je la secouais, elle se réveillait pas. Et là, je me suis réveillée dans mon lit, je transpirais partout et je tremblais comme un Ah cochon. ouais. Et ouais, c'est des rêves étranges. Tu te dis, est-ce que c'est un rêve où on veut me montrer quelque chose, comme l'histoire de la Caroline et tout, ou alors est-ce que t'étais pas en train de rêver, ça se trouve, t'étais en train de voir des choses, je sais pas, tu sais, comme une corporation là, tu sors de Ouais, ton mais corps je me et. suis réveillée, je me suis réveillée dans mon lit en train de transpirer et je tremblais de partout. Ouais. Et je faisais un truc. Et pendant 10 minutes au moins, je Bah, regardais autour de moi assis-toi sur le fauteuil, reste pas debout sur le fauteuil. Je Et faisais un puis truc. voilà. Caroline, ah oui, non, c'est Marguerite, Ah le oui, nom de c'est la dame. Marguerite, Ouais, ouais. Ça a rien, ouais, est-ce que ça a rien à voir du coup, t'as eu ce Caroline, quoi. Il y a peut-être un rapport, je sais pas, mais après Mais t'étais Caroline, encore c'était une dans autre la maison Caroline. où, genre, il y avait qui habitait la vieille dame qui s'appelait Marguerite. Ouais. Ah ouais, donc, et ta mère, elle s'appelait comment? Ma mère? Oui. Nathalie? Nathalie. Ah, peut-être qu'en fait, c'était l'esprit d'un. Bah, c'est peut-être un démon, mais ça peut-être l'esprit de l'homme, en fait, d'un homme. Qui était en fait, avait quelqu'un avant Marguerite qui était en couple, et du coup, ben, en fait, il croyait que c'était sa femme.
Ben, je, ouais, Mais je sais non, pas, mais en ou fait, alors. je vais réexpliquer en détail, machin. J'ouvre la porte de mon garage, je vais prendre un truc, je reviens. La porte était fermée, je l'ai laissée ouverte derrière moi. Je tire une fois, deux fois, et ça fait quand même pas mal de bruit. Et Oui. là, j'entends dans l'autre pièce de mon garage, j'ai plusieurs pièces dans mon garage. Je voyais pas la pièce à l'intérieur. Et là, j'entends une voix de venir de là, toute grave, mais d'un homme, mais vraiment grave, grave. Ouais, une voix, Et puis il dit, Caroline, c'est toi? Caroline, c'est Et toi, moi, ouais, je c'est. commence à paniquer, je croyais que quelqu'un allait venir. Et du coup, j'ai ouvert Attends, la porte, j'ai recule. Fais comme moi, rien. ouvert la porte d'un seul coup, enfin, d'un coup de sec, j'ai tiré, puis ça a ouvert la porte, et je vous ai dit, je suis remontée vite en vitesse, j'ai secoué ma mère, mais pendant le rêve, il a duré quand même au moins. Elle voulait pas se réveiller dans le rêve Il a duré au moins 2 minutes ce rêve, Ouais. mais Et après, ensuite, je me suis réveillée. ouais, tu t'es réveillé. C'était vraiment, ouais. Bon, après, c'est encore un débat là-dessus, hein. C'est, il y a certes, il y a des rêves. C'est, tu rêves n'importe quoi. T'es au collège, t'es au lycée, t'as une pire journée. Et il y a des rêves. Des fois, c'est pas des rêves, c'est pendant la nuit. Certaines personnes qui ont des dons ou qu'on leur montre des choses. Soit on leur montre quelque chose dans un rêve. C'est un esprit, quelque chose, une entité peut te montrer quelque chose. Soit c'est toi qui voles. Et c'est, tu crois être dans la vraie vie et tout, mais c'est ton esprit qui vole, qui sort de son corps. Et ça se trouve, quand tu essayais de réveiller ta mère, bah t'y arrivais pas parce que c'était. T'étais peut-être en train de. Je sais pas, je dis des conneries, hein. C'est. Tu fais une désinc. Tu sors de ton corps, en fait. Et après, à un moment où tu t'as Ouais. réintégré ton corps et tu t'es réveillé, tu vois. Mais bon, ça, c'est une Mais tu théorie vois, j'ai sur. pensé à ça, j'ai Moi réfléchi à ça, mais aussi. j'ai pas, est-ce que, en fait, j'ai pas dit que ma mère, quand je suis descendue, elle était réveillée, elle regardait la télé, tu machin, il y avait les lumières et tout, et quand je suis remontée, elle était carrément endormie, et puis la télé était éteinte, et puis je voyais rien, et je la secouais, voilà. Ouais, donc Et puis enfin. maintenant, je vais plus dans mon garage de la même manière. Avant, j'allais Ah dans ouais, mon est-ce que garage, t'as tranquille, tu vois, d'avoir vécu ce maintenant, truc je dans fais le de la vidéo garage? autour, Ouais. Même si tu clairement, dis que t'as je fais rêvé, attention, quoi. ça t'a fait peur ouais. Mais moi j'ai déjà eu des rêves comme ça, étrange. C'est des rêves, en fait c'est des cauchemars d'ailleurs. Tu rêves en croyant vraiment que c'est la réalité, et dans le rêve il y a un truc démoniaque. Genre j'étais avec mon père, on était tous les deux en bas, il y a une mezzanine à l'étage. Et je parlais avec mon père, et d'un seul coup, je me retourne, j'entends mon père qui parle. Alors je dis, tiens, mais il me parle d'en haut. Et je me retourne, mais non, mon père est toujours avec moi. Et on entend une voix démoniaque, mais vachement plus grave, avec qui imitait la voix de mon père. Et ça nous parle à l'étage. Et là, je regarde mon père, d'un seul coup, on se regarde, et on se regarde d'un air, putain, il y a un démon à l'étage qui est en train d'imiter ma voix, quoi. Et on a eu super peur et tout. Mais c'était un rêve, parce qu'après, je me réveille, je suis dans mon lit, je dors, quoi. Donc, tu vois, c'est des rêves comme ça, étranges, où tu rêves des cauchemars, quoi. Des trucs qui t'arrivent en IRL. Tu crois que c'est la vraie vie, quoi. C'est quoi, enfin toi t'as pas beaucoup raconté d'histoires paranormales à part celle-là de ton pote, toi t'as rien raconté. Non, oui, j'ai rien raconté parce que j'ai rien. Je te dis, j'ai déjà raconté beaucoup de trucs. Hein. On en est à 8e épisode. Il s'est passé Comme des une espèce trucs. de truc sur la carte, par exemple. Ouais, voilà. Moi, j'ai plus rien à raconter parce que en fait, il s'est rien passé depuis. Et j'ai déjà raconté beaucoup parce que moi, j'ai raconté dans tous les épisodes. Donc. Et tant mieux qu'il s'est rien passé depuis parce que pour te dire, depuis l'épisode. Que j'ai fait avec Dark Shadow, voilà, il s'est rien passé de plus que cette histoire de lumière qui clignote au moment où on dit jette-moi ce t-shirt de Attends, je démon à reviens. la poubelle, et hop, le courant qui s'est coupé à ce moment-là. Donc il reste plus que Zargar, Bizarre. hein, à raconter. What? Donc Zargar, on finit en beauté, tu racontes ton truc, et à la fin, on fait un petit débat général sur un peu tout. Voilà, donc on continue un petit peu. Petite ellipse, je suis maintenant avec Dargar. Voilà. Alors, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je raconte dans cette émission depuis... C'est pas une creepypasta. Non, qui j'y ai été convié, non, c'est des conneries ça. Qui j'y ai été convié, c'est vrai, il n'y a pas de fabulation, ni de mensonge, ni d'exagération. Et Attends, après, viens, j'ai... échange la place parce que j'aimerais bien voir les autres pendant ce temps. Ils sont là-bas au Il y fond. a plein de détails.
y a plein de détails que j'ai dû oublier, mais bon, ça après, c'est des détails, c'est. Ouais, déjà le ça gros peut de l'histoire. Être d'importance, mais. Alors, vas-y, Et. dis-nous tout. Date, heure, lieu, pourquoi, Donc, je comment? place le décor. C'était quand j'étais à ma deuxième sixième. Ouais, c'est deuxième sixième. Ouais, donc c'est deuxième sixième. Moi, j'arrivais tôt le matin parce que mon collège il se situait dans un. Ouais, dans un parc. Il était dans un parc. Enfin, on l'appelle le parc des plantes. Bon, c'est pas très original, hein, mais c'est Ouais, un parc des jardin plantes. assez C'est comme moi, j'ai le beau. parc des pins à côté de chez moi, ouais. Et en fait, il a un passé assez lugubre. Des meurtres. 176 viols. Bah, beaucoup de meurtres, 176. des viols, beaucoup de suicides. Ah ouais, il est grand ce parc? Mais il doit être ancien quand Non, même, il s'est passé plein de trucs depuis il y a longtemps. il est assez Combien ancien, d'hectares à peu oui, près? c'est assez ancien, ouais. Ah non, C'est un il fait même ancien pas un parc où il y a hectare. eu des viols, etc. Donc, des Ouais, meurtres, des il viols, fait. etc. Ouais, et en fait, bah, c'est un parc assez petit quand même, on fait vite fait le tour. Et dans ce parc, je place le décor, il y a, y a le. Le domaine Il y a une Tanaïs. chapelle. C'est comme le domaine Tanaïs. En Moi, fait, ça il y me a une. rappelle une autre histoire, mais ça sera pour après que je vous dirai. Et Ouais, alors, parce du qu'il y coup, en a tu tellement, vas dans mais. ce parc des plantes qui est vraiment bizarre parce que je peux dire, j'ai des copines, elles oseraient jamais aller dans un parc comme ça de nuit en sachant qu'il y a eu des viols, des meurtres. Mais j'ai pas été de nuit. Mais par contre, dedans il y a une chapelle où dedans le prêtre, le curé, ou je sais plus comment on appelle ça, dans la chapelle il s'est pendu, mais on ne saura jamais pourquoi. Depuis la chapelle elle a été abandonnée, elle est restée riche. En fait, moi j'y allais pour aller au collège, hein, comme tout le monde. Mais pourtant c'est un parc très beau, hein. Si j'avais eu l'occasion, enfin, si j'avais eu l'occasion de montrer des photos, ça aurait été agréable, mais dommage. C'est un très beau parc qui est entretenu, et il y a mon collège à l'intérieur, après il y a des trucs de sport. En fait, chaque matin, moi j'y allais avec un copain. En fait, lui, moi je le rejoignais à l'arrêt de bus, en fait on y allait tôt, et en fait on y avait été l'hiver. Et puis lui, en fait, il était monté voir une personne de sa famille qui habitait à côté, c'était avant les cours, on commençait à 10h. Arrivé sur les coups de 6h30, Bon bah tu en nous fait plantes il y le avait. décor là, tu nous fais un roman. Alors du Ouais. coup qu'est-ce qui se passe? C'est en pleine journée, voilà, Alors vous allez dans attention. ce parc? Ouais. Attention, Fais-nous c'est pas une des lignes journée. simples. C'est le matin. Enfin, déjà, c'est le matin tôt. Et en fait, il fait noir parce qu'on est en hiver. En fait, j'ai rejoint une amie, en fait, elle qui commençait à 10h, enfin à 9h30. Et en fait, nous, on se baladait dans le parc, pardon. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'arrête, on regarde la vue, parce que c'est sur un coteau, donc en hauteur. Et du coup, on voit toute la ville. Et puis, en fait, on fait pas attention, il n'y a pas de vent. C'est un matin très très calme, il n'y a pas de vent, il fait quand même froid, mais il n'y a pas de vent. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on s'arrête sur un banc. Puis en fait, on regarde à droite à gauche, on parle. Et puis là, d'un coup, on voit, comme dans l'épisode 2 de Gus Dick, tu vois, une espèce d'ombre Une brume? qui part sur le côté. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Une Ouais, brume une ou sorte de une brume. ombre qui assombrit Non, une une zone? brume. Une Une brume, ouais. orbe. Une brume qui se déplace. Non, pas une orbe, non, c'était très gros. J'aurais dit peut-être 1,80 m. Alors, c'était très opaque, quand même. Ouais. Quand Ouais, une on voit. brume mais bien marquée quoi, pas c'est pas comme quand tu fais avec la bouche Une peut-être silhouette. fais avec la bouche en hiver, tu Ouais, vois une brume voilà, devant toi. C'était un gros truc d'un ouais, mètre je crois que 80, c'était. Ouais, je dirais 1,80 m, ça paraissait grand. Tu vois, on voyait bien que c'était un corps. On voyait bien le la bras. forme, ouais, l'humanoïde. Ouais, on voyait bien la forme. Humanoïde, ouais. Et puis en fait, ça se déplaçait vite. Non, assis quand même assez vite. Ouais, Mais comme un coup de assez vent quoi. vite. Ouais, un peu comme un coup de vent. Et puis. En Et en disparaissant? fait. Non, alors en fait, ça part. En fait, on était assis sur un banc. Et plus loin, il y avait des trucs pour enfants. Il y avait des. Plus loin, il y avait des. Comment on appelle ça? Les Bah, jeux. tu sais, des jeux pour enfants tout normal, enfin c'était normal quoi. Et Ouais. en fait là-bas il y avait un gosse qui a été tué, bon, pas très 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 joyeux. Et Ouais. puis Il en paraît dans fait ta là-bas vie, hein. le truc s'est arrêté là-bas, l'espèce d'ombre s'est arrêtée là-bas, et plus en bas dans la côte il y a la chapelle. Et après on l'a vu transpercer un sorte de, ouais, le mur en pierre. T'as un escalier, un mur en pierre, et derrière ce mur en pierre il y a une partie en friche abandonnée, et là il y a la chapelle.
Ouais, donc c'est clairement pas une brume naturelle qui avance comme ça dans le vent, parce que ça s'est déplacé, vous avez vu son trajet, quoi. Et puis comme tu dis, De c'est plus en humanoïde, plus. c'est pas juste la petite brume pépère, ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il n'y avait pas un peu de vent. Et dès que le truc qui s'est pointé, tu vois, même pour faire chier son monde dès le matin, et ben en Ouais. fait, les cheveux de ma pote, bah tu vois, comme elle a les cheveux longs, bah du coup, tu vois, t'as le vent et du coup, t'as ses cheveux qui. Ils sont comment hérissés, ils ont fait quoi? Bah tu sais, enfin, ses cheveux, ils. Tu sais, avec le vent, ils se déplacent, enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Voilà, ils voltigent un peu. Et puis, et bah du coup. C'est comme ça que ça m'a étonné et puis du coup enfin moi ça m'a brûlé enfin tu t'attends pas genre t'es posé le matin au calme Ouais, d'un seul coup, puis tu d'un dis coup t'as un truc. une petite une brume là qui vient te faire chier en mode bonjour Je passe. Et après, ça c'est rentré dans le mur, ça a fait quoi là? C'est ouais redescendu vers une c'est rentré chapelle? dans le mur et puis par curiosité tu vois nous on va voir bon certes on est très très con mais bon certes on continue on va voir et puis en fait dit bon allez on va à la chapelle ou pas parce que en fait ça fait comme un terrain en pente puis après t'as un terrain vague avec tout un terrain vague pardon avec tout ce qui est en fait c'est une autre partie du jardin une petite partie où il y avait la chapelle et puis en fait on voit l'orbe s'arrêter là elle bouge pas elle est fixe tu vois comme une photo ouais si on reste fixe ça fait une photo. Il n'y a pas un seul arbre qui bouge, pas un oiseau, alors que d'habitude il y en a plein, on n'entend pas l'eau de la rivière qui est juste à côté, on n'entend rien, tu vois, comme si Ouais. le monde s'était mis en pause. Tu vois, on n'entend pas de voiture de loin, des klaxons, alors que le centre-ville il est à 200 mètres à côté, ou des trucs comme ça, on n'entend rien. Et puis en plus il y avait une école primaire juste en bas, donc en même temps à 7h30 du matin, si parfois il y a des gosses avec la garderie, mais on n'entendait rien du tout, tu vois, comme si le monde s'était mis en pause. Et puis il y a le truc, on le voit pas bouger, tu vois, il bouge pas le truc, tu vois, il est fixe. Ouais. Et donc moi, je décide de m'approcher un peu plus, quand même. Et bon, mais je suis curieux. Et du coup, en fait, je m'approche. Et puis en fait, j'ai l'impression que plus je m'approche, plus elle s'éloigne. Ouais. Et sauf que quand je reculais, elle bougeait pas non plus, tu vois, elle était fixe. Fait, non, c'est bon, me prends pas Ah ouais, pour un mais quand con, tu j'ai fait un t'approchais, con. ça s'éloignait. Ouais, ça s'éloignait. Et puis en fait, du coup, je me rapproche de plus en plus, et je vois, en fait, ça se dirige vers la chapelle. Et moi, tous ces trucs religieux avec les trucs paranormales, c'est pas que c'est pas mon truc, mais c'est Ouais. que c'est pas mon truc. Alors du coup, moi, j'évite un petit peu de T'as toucher à évité ça. d'aller dans la chapelle et tout? Et puis, ouais, en fait, le truc, il s'arrête à la porte, et t'as l'impression, en fait, genre, il pose son coude au calme à la porte, et genre, il attend. Que toi tu le Vois que suives, ouais. ouais et puis moi je le suis puis tu sais le truc il s'arrête puis tu vois moi je veux pas bouger hein, Mais c'est et quoi que puis tu parles là? Toujours la forme? oui la forme parce qu'elle a pas disparu en fait elle a traversé le mur mais après tu vois elle traverse le mur pour aller dans l'autre partie Ouais, c'est donc non, non, dire que je moi je paierais pour suis voir un truc pareil, moi je peux te dire. Moi j'en ai pas peur, donc je serais allé direct suivre le truc. ouais et puis après hop moi je du coup le truc il s'arrête moi aussi je m'arrête parce que c'est bizarre j'aurais essayé que je suis ou quoi au calme et puis Ouais. il rentre dans la chapelle et puis du coup moi j'avance aussi un petit peu et puis je rentre dans la chapelle plus rien genre plus de que dalle de est-ce que ceci cela C'est normal, il n'y a plus et puis de trucs. ouais Tu ressens plus de trucs et bizarres? je reçois plus rien de rien et puis après je reviens voir ma pote je lui dis bah, je sais pas le truc s'est barré au calme et puis genre la meuf pote quoi elle me fait est-ce que t'entends du piano? Là, je fais au milieu d'un parc, t'es en train du mat, t'entends du piano. Ah ouais, Et elle me elle fait, mais oui, entendait ça. écoute dans l'oreille, j'entends du piano. Et puis je m'arrête, je fais, non, je sais, t'entends rien, c'est toujours comme si c'était en pause. Bah, et Ouais. puis elle me fait, parce qu'elle en fait, elle fait du piano, enfin, elle aime beaucoup la musique, elle fait du piano. Et puis elle me récite les solfèges, etc., enfin, tous ces trucs-là par cœur, quoi. Et puis elle me fait si ça met un truc comme chanson. Et puis chose qu'il fallait savoir, mon arrière-grand-mère s'était mariée dans cette chapelle parce que elle et sa famille en fait ils vivent là à côté, enfin pas très Ouais. loin du parc. En fait son arrière-grand-mère, peut-être sa mère s'était mariée là, sa grand-mère aussi. Et puis et en fait et puis en fait sa grand-mère était pianiste. Son arrière-grand-mère était pianiste, sa grand-mère était pianiste, et en fait, elle a reconnu que cette chanson-là, c'était la chanson, la chansonnette Que qu'elle le faisait
D'habitude, qui était quoi. passée, ouais, qui était passée, enfin, qu'elle faisait comme d'habitude, et c'était la chanson prévue pour le mariage de sa mère, en fait. Ah ouais. Et donc elle a reconnu ça comme un message, en fait. Elle s'est dit, ça se trouve, c'est la famille. Ouais, et puis en fait, par curiosité, on est retourné dans la chapelle, et puis en fait, on a rien vu d'autre, en fait, genre, tout s'est arrêté, mais le truc, enfin, il y avait quand même plus de bruit, il y avait plus de bruit à droite, à gauche, ni rien. Et puis en fait, au moment où on se dit, bon, allez, on arrête de déconner, on se barre, on se repose quelque part, et puis voilà. Du coup, on remonte, on peut se dire, on fait comme si de rien n'était, et puis on s'arrête. Et puis là, en fait, on a toujours pas de vent, toujours pas de bruit, pas d'oiseaux, alors que d'habitude, il y a des oiseaux à Ouais, un foison. silence, un dead silence, quoi. Ouais, voilà, un silence de mort. Et puis du coup, là, il y a une brume d'un coup qui arrive, mais genre une brume. Comment? Comment dire tu sais que c'est de Large, la brume grosse. tu sais que c'est de la brume, mais en fait t'as l'impression que c'est un nuage. Enfin, en fait, quand tu vois la brume, t'as l'impression que tu peux la choper dans tes mains Ouais. et puis la mettre dans ta poche Ah en oui, plus. elle est un peu opaque et épaisse pour dire que t'as Ouais, l'impression que tu vas la voilà, on va choper dire que comme du c'est coton. épaisse et genre tu voyais rien à 1 mètre à côté de toi. Et puis du coup, nous, ça nous a fait flipper. Et puis à côté, il y avait des toilettes publiques avec une petite lumière juste en haut. Enfin, Et du coup. t'as jamais sorti ton téléphone portable? En même temps, t'étais en sixième, ça remonte, je sais pas, t'avais pas ton Deuxième, portable sur sixième, si toi? j'avais mon portable, mais bon, après, je sais pas ce que je pouvais faire avec mon portable. J'ai pas pensé à prendre de photos ou de trucs, de Ouais, parce rien. que je comprends, parce que sur le coup, en fait, c'est tellement dingue de voir une forme humanoïde, un truc, une brume comme ça, que tu penses même pas à la filmer, quoi. Ouais, tu t'arrêtes pas en mode celle-ci. Allez! Ouais, voilà. Moi, je te dis, j'ai vu pas mal de fois des ovnis, mais très furtifs passer. Je me suis même pas dit, ça vaut pas le coup que je sorte mon portable, j'ai pas le temps de le prendre. Tu vois. Le temps que je sorte le Par contre, portable, que je j'ai mette une la question photo, pour. on verra rien. Donc ouais, après, cette histoire de parc, là, ça te donne envie d'aller d'aller visiter ton parc, quoi. Et puis en fait, après, on s'est. Enfin, après, il y a eu la brume. Et en fait, juste à côté de nous, il y avait les WC avec une petite lampe à la porte des WC. Et en fait, tellement c'était opaque que. Ouais. En fait, on voyait même pas la lumière qui était à quoi, je dirais, 5 mètres de nous. Bah, 5 mètres Ouais. de nous, il n'y avait pas de lumière. Et ça nous Tellement a qu'il y avait cette ouais, vraiment brume. choqué. Ouais, tellement c'était opaque. Alors du coup, on décide de remonter vers le collège. Et Ouais. genre, impossible de trouver le bon chemin. Et bon, comme une grosse merde, je me vautre plusieurs fois. Parce que bon, tu vois pas trop ce qui se passe. Et puis genre, ça a dû durer peut-être un quart d'heure. Puis en fait, après, tout ça se dissout comme d'un coup de vent. Et Ah, la puis... brume était présente partout, quoi. Ça. Ouais, Ouais, et je vois puis le truc. là, elle me gueule dessus d'un coup. Elle me fait, vas-y, regarde là-bas. Je me retourne, je regarde. Puis je fais quoi? Et puis il y a l'espèce de nuage qui bouge, enfin elle a pris ça comme ça, elle dit il y a le nuage qui bouge, et puis je regarde au loin, il est plus là, enfin tu vois je reconnaîtrais la forme parce que je l'ai vu il y a à peine 20 minutes, et puis là elle me sort, mais si regarde, il est posé sur le banc là où on était. Alors je regarde, je m'approche, et puis elle me fait mais arrête, et puis moi en fait je m'approche, moi je le vois pas, enfin je fais mais attends mais Ah oui, toi tu voyais waouh. pas, elle voyait? Moi je vois pas, et puis en fait après elle court vers moi, puis en fait elle me chope par le bras, elle me retient, elle fait mais t'as pas vu comment il te regarde? Et puis je fais mais attends mais meuf je vois rien, et en fait Elle a vu après quoi, elle? Il y avait elle a, parce que là il y a des yeux. Là, si elle dit t'as vu comment il te regarde, il y a après des c'est la yeux, il y a chute, un mais visage. en fait elle m'a dit c'était un mec avec un chapeau melon, donc tu vois ça date un petit peu les chapeaux melons, Ouais. chapeau melon, voilà. Oui. Il avait un imperméable noir, tu vois, un grand comme un peu les policiers, tu vois, comme dans le temps. Il Ouais. avait des chaussures cirées et en fait, voilà, c'est tout ce qu'elle m'a Elle a décrit vu une de ce apparition gars. comme ça, Et ouais, fantomatique voilà. d'une Et puis en fait, personne, et il te regardait mauvais, genre. elle m'a dit qu'en fait, la personne, elle avait des gants blanches. Mais en fait, les gants, c'était, enfin, tu vois, ça faisait les mains, quoi. Et en fait, c'était transparente à peu près les mains, en fait. Ouais. Elles étaient à moitié transparentes, et surtout au niveau du bout des doigts qu'elle me racontait. Et qu'en fait, au Ouais. niveau de ses jambes, c'est au niveau de ses jambes, en fait, on voyait presque pas les chaussures, Oui, etc. les mollets, ça devenait transparent au niveau des mollets, quoi. Et puis moi, je lui réponds, mais je sais pas ce que t'as pris, mais tu vois, moi, ça me paraît extraordinaire. Je me dis, what the fuck, Ouais, est-ce là qu'un tu mec la me crois regarde pas. sans que je vois? Tu Enfin, la croirais je la pas, crois ouais. et je ne crois pas parce que j'ai vu le truc de tout à l'heure. Et Oui, toi, tu voilà, c'est voyais normal, le tu truc la crois quand même.
Tu voyais bien que ça ressemblait à peu près à ce que tu voyais. Bon, je n'avais pas reconnu la forme du chapeau ni rien, mais voilà. Mais à peu près à la même taille. Et puis elle me fait, regarde, le con, il se lève. Et puis en fait, le mec, il se lève. Et Ouais. puis genre, moi, je vois pas, mais de ce qu'elle me dit, il se barre. En fait, il va vers la porte d'entrée qui est plus en bas. Tu vois, ça fait une descente Ouais. et c'est plus en bas. Et puis elle me fait, regarde, regarde, le mec, il se barre. Et puis je fais, mais arrête, je vois Ouais, que toi dalle. tu voyais pas elle, c'était visible Et que puis en... pour elle en fait. Ouais, voilà. Et puis en fait, à la fin, quand le mec il passe le dernier portail, et bah là tu enfin je vois pas le mec tout entier, mais je vois le tu sais, le truc, le nuage en fait. Et Ouais, puis là t'as elle me revu fait le nuage. elle me fait, mais c'est un peu chelou, etc. Et puis après t'as une de ses potes qui passe par le portail d'où le truc venait de venir. Ouais. Et puis d'un coup on va la voir. Elle fait, t'as vu ou pas l'espèce de truc au loin? Et puis elle me fait non. Et je lui dis, mais t'as pas ressenti un truc en descendant? Parce qu'en fait l'espèce de nuage à la con, et ben en fait il allait dans la direction de là où elle venait, je sais pas Ouais, il comment l'a dire. traversé Et puis quoi. Elle en fait a rien eu? ouais, et puis en fait elle me fait enfin elle me répond, à part que là d'un coup j'ai super froid, alors qu'en fait elle avait une putain de grosse polaire. Tu disais, meuf, il fait 6 degrés, tu peux pas avoir froid avec tout ce que t'as sur le corps, Ouais. écharpe, bonnet, etc. Et puis elle me fait, non mais là je viens d'avoir un grand coup de froid. Et puis c'est pour ça que je me posais la question, de Si elle pourquoi avait vu quelque tu... chose. Ouais, voilà, je me demandais, bah pourquoi elle a vu, enfin pourquoi ce sentiment-là. Et puis après on n'a pas creusé plus loin. On lui a demandé, est-ce que t'as vu un brouillard? Parce que tu vois, généralement quand il y a un brouillard, c'est sur toute une zone, toute une zone, pas une petite zone à la con. Et elle me fait, non, moi j'ai pas vu de brouillard, ni rien, ni que Elle a dalle. juste ressenti surtout le Ouais. froid quoi. Ouais, et puis Mais après quand ouais, ça montre quand une j'ai chose, c'est que redemandé. toi tu as pas vu, ta copine a vu et l'autre fille n'a pas vu. Ça montre que le phénomène peut se montrer plus ou moins à moitié ou carrément à une personne. À la personne qui peuvent le Après, voir. il y a la chute de l'histoire qui viendra un petit peu après, désolé si elle est longue. Et Ouais. puis en fait, après, on demande à des gens, enfin, on a demandé à deux, trois potes après au collège s'ils n'avaient pas vu du brouillard ou des trucs comme ça. Et puis Ouais. personne nous disait qu'ils avaient vu du brouillard. Genre en mode, nous, on est les deux seuls technos sur Terre qui Avoir voyent ce putain de brouillard. alors qu'il Ça s'était prenait pas tout le parc pensé à quoi. quelqu'un d'autre. Il Alors qu'il prenait pas prenait tout le tout le parc parc, mais et le il parc, prenait il la est zone en où vous côte. étiez. Ouais, et en plus le parc il est un peu en côte, donc en hauteur, et quand même en très grande hauteur. Et en fait, tu te demandes, tu t'arrêtes, et puis tu fais, attends, tout le monde le voit, enfin de là où je suis, de ma maison, je vois le parc de là où je suis là. Bon, pas par la fenêtre du côté où je suis, Ouais. mais je veux dire, tu vois là, à peu près le parc. Et moi je me dis, tant c'est dingue quand même, normalement tu le vois, s'il y a un espèce de gros nuage bien opaque sur une zone. Tu poses des questions. Et puis en fait plus tard elle a fait des recherches côté de sa famille dans son grenier. C'est pas la même fille qu'avec le grenier, la salle de bain, avec la tache de sang, enfin la goutte de sang Ouais, que c'en est t'as. une autre, ouais. Ouais, c'en est une autre. Et puis en fait elle me raconte que plus tard en fait c'était son, enfin la personne qu'elle a vue, elle a regardé les photos, et en fait c'était son oncle. Ah, Enfin c'était son, alors attention, c'était son oncle qui aimait sa grand-mère, qui elle s'était mariée à côté, et lui il s'est suicidé dans ce parc 3 jours après le mariage de cette dame-ci, sur le banc sur laquelle elle s'est, enfin sur le banc sur lequel nous on était assis. Donc c'est le monsieur en chapeau melon, c'était lui, l'homme suicidé. Ouais, c'était son oncle, ouais. Disons, c'est donc ils ont, vous avez pas vu, elle a pas vu un fantôme pour rien. C'était une histoire avec sa famille, avec son passé, Oui quoi. voilà, et puis en fait elle a fait des recherches, elle a posé des questions à certains membres de sa famille, et en fait c'était un mec, en fait il était un peu instable mentalement, et puis il était très croyant de ce qui était un peu fantomatique, et du coup en fait il s'était suicidé sur cet endroit-là. Il s'était mis un, enfin il s'était poignardé au niveau du cœur, Disons. et ouais, il en faut du courage quand même, ou de la folie. Et puis en fait, il s'est suicidé 3 jours après le mariage de Ouais, la grande par grand-mère, parce qu'en fait, désespoir, quoi. il voulait sortir. Enfin, il aimait la grand-mère, et puis elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre, etc. Et puis moi, bon, à mon avis, il doit y avoir une autre histoire à côté, mais j'ai pas eu tout de tout. Et Et donc, puis du coup, pour ouais, c'est pour ça finir, que. rapidement. Bah en fait, bah oui, du coup en fait elle a découvert que c'était ça, et puis elle a posé des questions à sa mère, et sa mère aussi quand elle était petite, elle a vu à peu près la même vision dans ce parc-là.
Ah ouais, la même Donc, vision, c'est vraiment intéressant. voilà, re Donc, tout le monde. Donc, petite ellipse. On en a fini avec les histoires. Tout le monde a raconté son histoire paranormale. Donc, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura bien plu. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode, comme chaque mois, pour la série Monde Paranormal. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur ma page Facebook ou ma page Google+, ou dans les commentaires de ma chaîne YouTube, sur n'importe quelle vidéo ou. Pour me contacter sur la page à propos, où vous pouvez m'envoyer un message privé si vous avez un truc à témoigner, voilà. Et après, on pourra se passer le Skype pour discuter ensemble. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut à tous les gars, hein, salut, merci d'avoir participé, hein. salut. Voilà, Thibaut, tout Okay. ça. Merci à Ouais. Zargar pour la map. Et puis merci, hein, pour les 2000 abonnés. Voilà, ça fait plaisir. Donc, je vous dis De à une rien, prochaine merci. fois. Salut à tous, c'était Protoxique!